Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la playroom sur un nouvel épisode de Tezo, The Elder Scrolls Online, Tamriel, Unlimited. Voilà, donc après avoir fait le shopping pour les. Enfin, pour les. Comment, les bougies, on va finir de parler au mec. Harald Vingval. Vingval. Vous a dit l'arrière-grand-père. Ai-je bien repris le droit chemin? Votre ancêtre a accepté mes offrandes, mais il vous demande de continuer à honorer leur mémoire. Je renonce au culte et je jure d'honorer mes ancêtres. Mais je le ferai loin d'ici. Je vais peut-être partir pour Dagfilant ou bien recommencer une nouvelle vie ailleurs. Plus de culte pour moi! Plus le moindre! C'est pas plus mal. Agonne la quête. Parfait. Parfait, parfait. Donc, chers amis, il nous reste aussi la quête des fringues. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. Hein? Oula, je me trompe de bouton. Les quêtes. Retrouver les habits volés, voilà. C'est bien ça. Trouver l'épée en fer noir, ça doit être ça, c'est ça? D'accord. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et bim! Et regarde! Entre les deux yeux! Je suis là! Bim! Ah! Tout ça se passe donc dans la maison, intéressant. Le cottage de la jardinière. Cottage, c'est plutôt, c'est peut-être mieux. Pourquoi pas? Table de chevet, la couronne fondue en or. Pourquoi pas? Vaisselier. Deux citrouilles, non. Non, les citrouilles, nous les prenons plus. Dans la penderie, il y aura donc l'égide de Smaragdine. Pourquoi pas? Aucun bouquin, aucun truc génialissime de la mort qui tue. Non. Glénombris. Faisons les basses besognes, chers amis. Ce n'est pas grave. Jolie loupiote. Alors, laquelle est la plus proche? Apparemment, celle de gauche est la plus proche. On n'est jamais trop prudent. Alors. Crac. Chevalier de la princesse d'Émeraude, bonjour. Je souffre du déshonneur éternel d'avoir échoué envers madame, la princesse d'Émeraude. Je ne fais plus honneur à mon poste. Qui était la princesse d'Émeraude? C'était notre dirigeante bien-aimée, une reine guerrière à la beauté insurpassable. Son bouclier, l'égide Smaragdine, la protégeait au combat. C'était le symbole de notre indéfectible loyauté envers elle. Pourquoi pas? Donc, allons voir, allons reposer son bouclier. Sur le macabre, sur le cadavre de la dame. Bon, toc. Une fois encore, l'égide verte protège le sanctuaire de sa dame. Si vous le dites. Les autres maintenant. Ah ah. Vroom, vroom, flom. Bim. Bâton infernal en érable. Pourquoi pas. Si tu le dis, l'ami. Viens par... Ah, ils sont deux, mince. Allez, bougez-vous! Ah, j'ai voulu faire une attaque stylée, mais ça a raté. Au final, j'en ai pris plein la gueule, dis donc.
Il n'y a pas un bou- y a pas un bouquin là? Ah si. Oh. Pourquoi pas? Alors. Et ici, qui est-ce? Chevalier du Seigneur d'Ivoire. Oh. J'ai échoué dans ma mission. Je n'ai pas réussi à défendre les trophées du chasseur suprême, le Seigneur d'Ivoire. Qui était le Seigneur d'Ivoire? Mon seigneur était un chasseur. Il traquait du gibier dangereux de bord de ciel à Valboisé. Aucune bête ne lui échappait, aucune cible ne pouvait esquiver sa flèche. Il fallut de nombreux assassins pour l'abattre. Bien. Oh, c'est classe. C'est méga classe. Une fois encore, la défense du Seigneur d'Ivoire protège ses trésors. Tout à fait. Oh. Comment espérer recycler quelque chose? En fait, ce n'est pas une corne, c'est une... Bah si, c'est une corne de brume, entre guillemets. Une gigantesque, quoi. Si les cornes de brume d'une grande taille comme celle-ci ont un, autre nom... ont un nom différent, n'hésitez pas à me le dire, chers amis. Hop. Oh putain. Qui es-tu? Chevalier du Prince d'Or. Oh. Je n'ai pas réussi à protéger les insignes de mon illustre seigneur, oh. Le Prince d'Or. Qui était le Prince d'Or? C'était un dirigeant très riche et de grand renom. Il a amené le commerce et la prospérité en Haute-Roche. Le pouvoir du prince reposait dans ses vastes réserves d'or, le remède qui assagit tous les tempéraments. Oula, là, je me suis trompé en mettant mes doigts sur le bouton. Sur le clavier, en tout cas. Hop là. Ton heure. Une fois encore, la couronne. La fierté du prince doré protège ses trésors. En fait, non, il n'y en avait qu'une qui était classe. Il n'y avait qu'une qui avait un véritable objet à poser, en fait, c'est con. Et la dernière qui est tout au loin, je suis sûr. Non, elle est là-bas. Peut-être. Appelez. Ça se passe plutôt bien. Chevalier du fils de du fer. J'étais trop faible pour protéger la tombe de Monseigneur, le fils du fer de Haute-Roche. Qui était le fils du fer? C'était un ancien et puissant dirigeant de Camelorn. Sa lame de fer stellaire a fondé une grande dynastie. De guerre comme de paix, il régnait par l'épée. C'est classe, c'est joliment dit. Bah du coup, elle aussi, enfin, l'épée aussi va apparaître là. J'ose le croire en tout cas. Une fois encore, la flamme du roi de fer consumera tous ceux qui tenteront de s'emparer de sa lame. Voilà. C'est une épée, tout ce qu'il y a de plus banal, d'accord, ok, pourquoi pas. Bon, trouver la chuchoteuse. Waouh. Le roi Donald Lane. Rengainez votre épée, je suis peut-être mort, mais je ne suis pas votre ennemi. Qui êtes-vous? Mortel, je suis Donald Lane, autrefois roi de Dagfiland. Vos faits ne sont pas passés inaperçus. Merci pour votre aide. Cependant, le danger rôde encore. Ces nécromanciens veulent faire de nous leurs esclaves et nous retourner contre nos descendants. Ah blah, inventaire plein. Désolé l'ami, tu permets que j'habille mon sac, monsieur le roi? Armure lourde. Détruire. Bonjour. Rengainez votre épée, mortel. Oui, je le sais. Le culte de Sangrépine ne profane plus nos tombes, mais nos fidèles niveau chevaliers... Niveau 17 en... Non, même pas. Les pilleurs de tombes utilisent une sorcellerie de manipulation spirituelle pour faire d'eux leurs esclaves. Que dois-je faire? Éliminer ces adeptes de Sangrépine. Sauver les esprits qu'ils essayent d'asservir. À ma grande tristesse, Sieur Granden a déjà cédé à leur appel maléfique. Trouvez sa tombe, à l'est,
et éliminez-le. Quand ce sera fait, retrouvez-moi sur la colline du monument. Je libérerai les esprits et éliminerai Sieur Granden. Tuez les sangrépines, brisez leurs poignes sur nos serviteurs. Nos serviteurs ont fait preuve de loyauté et de confiance. Ils ne méritent pas l'esclavage en retour. Bien. Bouah, bien joué. Level up. Tu ne feras rien. What, c'est transformé en Apsu? Je peux enfin réfléchir. Je dois servir le Seigneur. Oui, tu le dois. Par la flèche de la volonté. Non, tu recules. Tu recules. Non, j'emmène mes chaussures. Votre aide est fort appréciée. Je vais te voler tes chaussures. Mais à la place, je vais te donner du gibier. Donne-moi tes chaussures. Parfait. Tu ne sauras te soustraire à mon jugement. Bim. Tu la sens celle-là. Et celle-là. Enfin, hello. Mes pensées sont à nouveau miennes. Grâce à vous. Il me reste cependant quelqu'un à tuer. Et je le tuerai en 1 contre 1, j'en ai mis pas à l'arc. Hey, l'ami! Bouffe! Oh non! Bouffe! Bon, j'ai pas le droit à son ectoplasme. Parlez au roi sur la colline à côté, avoisinante. La colline avoisinante. Ça doit être celle-là. Rengainons nos armes. Le roi est bien présent. Et il vole en plus. Tranquille. Hey! Résous. Vous êtes revenu. Mes frères et sœurs monarques attendaient des nouvelles de votre succès. C'est fait, vos chevaliers spectraux sont libres. Nous savions que vous pouviez vaincre les adeptes de Sangrépine. Et maintenant, le moment est venu. Restez avec nous et soyez en témoins. Entendu. Sans votre aide, nous serions esclaves des adeptes de Sangrépine. Condamné à tourmenter notre... Même les rois doivent s'incliner devant ceux qu'ils honorent. Délivrez-nous de notre repos éternel. Quoi ? Avons-nous votre autorisation de partir ? Je vous libère. Adieu, roi Donnel. Puissiez-vous... Non. Je vous libère. Adieu, roi Donnel. Puissiez-vous reposer éternellement... Ah, mais j'en chie à l'affaire complètement. Je vous libère. Adieu, roi Donnel. Puissiez-vous reposer... éternellement. Adieu, c'est bon. Mortel. Oh, un arc. En ce jour, vos actes ont porté un coup décisif. J'ai pas la place, si. De Sangrépine et leur maître démoniaque. Des dégâts de maladie. Juste pour voir, est-ce qu'il est mieux que mon arc à moi? Est-ce qu'il est mieux que mon arc à moi? Un peu mieux que mon arc à moi. C'est limite glauque le petit côté jaune. Wouhou. Bon, bah c'est cool, on a un nouvel arc. Alors, on a une zone dans laquelle aller.
là-bas. Et c'est là qu'on va se rendre. Pour choper le point de TP. Dégâts de maladie! Non. Oh, le mec, il avait des grèves en fer sur lui. Genre. Le fort de Veikavo. Waouh, il m'a foutu les boules celui-là. Un bleuet. Oula. D'accord, il y a peut-être une quête là-dedans, on ira voir plus tard. Là-bas, il y a comme un village, on va y aller. Là-bas, il y a comme un bouquin, on va y aller aussi. Je me trompe peut-être. Hein. Non, c'est bon. Hop. Parfait, on arrive au bon endroit, je pense. Comment ça s'appelle ? Croix-Salon. Ah oui, la fameuse ville de Croix-Salon. L'étranger qui a renversé l'effreux écarlate. Oh, mais j'aime bien quand on m'appelle comme ça. Bonjour. Intéressant tout ça. Y a-t-il des vendeurs par là ? Priez vos dieux, oui. Ça veut pas dire qu'ils viendront vous aider. Po-po-po-po ! Un Maccabé, pourquoi pas ? Chez Gestor, c'est quoi, c'est un vendeur ? Je risque de ne pas avoir tout ce qu'il... Vendre. S'occuper déjà de ça et j'aimerais trouver un truc de tissage. Maison de Virgile. Ah, ce serait bien là. Non, ça c'est un enchanteur. Est-ce qu'il y a au moins ? Simplement possible qu'il n'y ait pas. Hein. Qu'il n'y ait pas ce que je recherche. Ce qui serait fort dommage. Hein. Elle est superbe cette demeure. Parce que c'est pas... What? Des fruits écarlates. What? En pleine ville comme ça, genre... Canasson. Parfait, salut Canasson. Ça fait longtemps. Tu ne m'as pas manqué. Ah, nous y voilà. Parfait. Parfait, parfait. Atelier de couture, le voilà. Recherche. Au niveau de la ceinture, on a ceci. Ok, parfait. Démontage. Est-ce qu'on a du blanc ? Oui. Ah, je n'ai pas d'emplacement vide. Quel dommage. What ? Est-ce que je peux ? C'est un échec. Je comprends pas. En fait, ils ont l'air d'être neutres dans cette ville. C'est très bizarre. Personnellement, je l'accepterai pas. Bon. Bon bah écoutez les amis, on va se laisser là malgré tout hein. N'hésitez pas à pouceveriser la vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à la partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom, vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. N'hésitez pas à en parler autour de vous hein, si le jeu vous plaît, si la chaîne vous plaît aussi. Quant à moi les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom, à plus pour d'autres aventures, salut les gens. Et hop.